bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Sega Legacy. Alors aujourd'hui donc nous reprenons les podcasts avec donc cette deuxième saison, après une saison qui a été particulièrement riche en épisodes avec notamment 14 podcasts enregistrés. Nous revoilà donc toute l'équipe. Alors ce soir pour débuter cette nouvelle saison, on accueille Gothic. Hello. Sepka. Salut. Régis. Hello. Et puis il était là sur le podcast de Noël, et puis c'est son premier podcast parmi nous, le Révérend. Bonsoir, et j'ai même pas peur en plus. Mais non, il y a personne qui meurt, t'inquiète pas. Ah, c'est plutôt le personnage qu'on va aborder aujourd'hui qui... Ouais, justement. Alors donc voilà, donc pour cette deuxième saison, donc on, comme vous avez pu voir, il y a eu quelques modifications sur le site, donc au niveau des podcasts aussi, on va avoir quelques petites modifications que vous verrez au fur et à mesure donc des différentes publications. Donc ce soir, vous l'avez compris, on va parler d'Altered Beast. Donc messieurs, quand est-ce que vous y avez joué la première fois ou que vous l'avez vu tourner la première fois, Gothic? Pour ma part, c'était peu de temps après la sortie du jeu. Je l'avais pas acheté à l'époque. Par contre, mon cher voisin du dessous et ami d'enfance, l'avait acheté. Lui qui était pas du tout joueur de jeux vidéo, il avait eu quand même une Mega Drive et Altered Beast. Alors je sais pas trop quel message il voulait faire passer, mais voilà. tu veux dire qu'il voulait faire son coming out déjà? Si je sais pas, en tout cas il m'invitait souvent pour qu'on joue à deux, donc voilà. Bon, après on peut pas dire qu'il aimait forcément les hommes musclés, hein, mais bon. Non, c'est ouais, non, ça ne peut pas vouloir dire ça. Musclé. À l'époque, Gothic il devait pas être très musclé non plus. Ça remonte à longtemps. Moi, ce qu'il est bien fondu. Ah. Ouais, il y avait pas grand chose à faire fondre déjà à l'époque. Donc voilà, et puis c'est comme ça que je l'ai découvert en fait, en jouant chez lui à deux. Donc c'était surtout le côté jeu à deux avec un pote machin. D'accord. Ça permettait d'occulter un certain nombre de choses, on va dire. Sepka, toi, bon, on s'en doute d'où tu l'as découvert, mais si tu peux... c'est une blague récurrente qui revient. Je pense que c'est la vérité en plus, c'est ça le pire. Oui, tout le monde doit la connaître. Mais en fait, le jeu, je l'ai squatté une après-midi entière à Conforama, à l'époque. Et la Mega Drive était en démo. Je pense que pour la postérité, on devrait dire quel Conforama en fait. Parce que ça va devenir un lieu de culte. Hein. Je suis sûr qu'il y a des Pokémon Go là-bas à aller chercher. Ouais. Hein. Conforama, c'était à Seclin dans le 59. Et... Je note. Pas l'adresse. Un pèlerinage, on va aller faire un pèlerinage au Confort. Ouais, au bord de l'autoroute. Hein. Voilà. C'est d'y aller assis. Oh bah avec la pub qu'on leur fait, c'est clair. Hein. Ouais, et en fait, le plus rigolo, c'est que j'y suis allé en fait avec mon frère. On était hypé à fond hein, par le jeu et on habitait quand même à 15 km de ce Conforama. Et on a fait la route en vélo parce que. On a dit à nos parents, on va aller faire un petit tour en vélo, on revient. Ouais, en fait, le fameux tour à vélo qu'on a tous fait. On est parti en vélo, on a fait 15 bornes pour squatter. 15 bornes. Pour squatter la Mega Drive toute une après-midi. Alors je ne me rappelle plus si on était arrivé à la fin ou pas, mais je pense qu'on y était presque. Enfin, parce que j'avais vu une bonne partie du jeu là-bas. T'as la rage quand même. Voilà. Arriver à la fin sans avoir le jeu à la maison, c'est beau quand même. Et voilà. Après avoir fait 15 km de vélo. En plus, ouais. Ça a dû bien fatiguer. Après, il fallait revenir. Hein, donc. Voilà. Je l'aurais fait à l'époque, je l'aurais fait en tricycle, tu vois. On avait déjà 13-14 ans, je pense, à l'époque. Alors, j'ai cru comprendre que Révérend, tu étais le frère de Sepka. Alors, je ne le sais pas encore, mais. Je peux pas garantir que ce soit dans un Conforama. Hein. Ça peut être un Darty ou un boulanger. Donc, j'essaie, en fait, je pense que c'est un Darty, mais j'essaie de choper d'autres sponsors. Et je l'ai vu tourner, j'y ai joué un tout petit peu, mais en fait, c'est que je le connaissais déjà sur CPC parce que j'avais lu une critique assassine sur Amstrad 100% à l'époque, donc ma lecture principale. Et j'ai fini par l'avoir à Noël, le Noël 91, hein, donc pas à la sortie. Oui, un petit peu après. L'année suivante, mm-hmm. Parce qu'il était dans le pack avec la console, et j'y ai joué des heures. J'avais trois jeux. D'accord. Et j'ai décidé à une vie chaste. Voilà, en fait, j'ai été dégoûté des plaisirs de la chair dès que j'ai vu la tête Beast. Mon pauvre. J'étais pas prêt, j'étais trop jeune. Voilà.
Surtout que j'avais Moonwalker en même temps. Donc bon. Oh pauvre, oui. Oui, oui, d'accord. Toi, Régis. Vous comprenez. Moi de mon côté, en fait, j'ai découvert assez tardivement, hein, je pense, parce que c'est pas un jeu à l'époque qui m'a sauté aux yeux. Enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir pris une claque, etc. Mm-hmm. Mais je sais que je l'ai vu en arcade et j'y avais joué un petit peu, mais sans plus. Et par contre, j'ai découvert la version Mega Drive dans un continent. Actuellement. Putain, mais vous avez... Ah non, on se moque de moi, tu es des mois. Mais la chaque année. À Curdis, si tu nous écoutes, donc... on te salue. Ouais, ouais. Ouais, il parle en continent, alors. Donc pour les plus jeunes, en fait, Continent, c'est simplement Carrefour à l'heure actuelle. Hein, voilà. Ouais, c'est vrai que ça avait été racheté par Carrefour. Hein. Mais en fait, comme c'était pas un jeu qui m'attirait non plus des masses, ben, je l'avais découvert en magasin, tout simplement. J'avais joué un peu plus avant de me rattraper, bien sûr, un peu plus tard, directement avec la console et tout, quoi, mais chez moi, mais voilà. Alors, bah, Altered Beast, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est Beat the Mole qui a été donc développé par Sega. De mémoire, c'était la Team Shinobi, non, qui s'était occupée de la version arcade. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Donc, c'est sorti en 1988. C'est sous le nom, alors japonais de, c'est comment ? Juoki, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est Juoki, oui. Ouais. Donc, plus connu donc sous le nom d'Altered Beast chez nous. C'est un Beat the Mole avec une comment dire, une trame, une histoire très particulière. Alors peut-être que Révérend, il peut nous raconter l'histoire. Ah oui, est-ce que vous voulez l'histoire dans le texte ou est-ce que vous voulez l'histoire... Dans le texte, dans le texte. Dans le texte, dans le texte. Alors dans le texte, dans le texte. Accrochez-vous. Alors, c'est l'époque des dieux, des mythes et des légendes. L'époque où les hommes étaient des guerriers qui affrontaient courageusement des ennemis surnaturels dans la lutte sans fin du bien contre le mal. C'est l'époque du mutant. Appelé par Zeus, le dieu du tonnerre, vous êtes réveillé du séjour des morts pour affronter le méchant Nelf, le dieu des enfers, pour sauver Athéna. Et Athéna n'est pas une jeune fille ordinaire. Elle est la fille de Zeus, et elle doit prendre la place qui lui revient au panthéon des dieux, si du moins vous pouvez la libérer du lieu où elle est retenue prisonnière. Bien qu'autrefois vous avez été un centurion romain brave et respecté, les rigueurs de ce voyage vont exiger de vous un déploiement de forces surnaturelles. C'est pourquoi vous avez été investi des pouvoirs du mutant. C'est-à-dire le pouvoir de vous transformer en une créature moitié animal, moitié homme, douée d'une force extraordinaire. Voilà, je pense que là, ouais, donc une c'est fois ça posé... Un ex-gladiateur, quoi. C'est magnifique, quoi. Tu vas avoir à faire un jeu épique, là. Tu vois. Donc, en fait, les ex-gladiateurs terminés en slip. C'est ça. C'est voilà. Mais qui sont en même temps, il faut aller sauver Athéna, donc on se tient. Hein. C'est... Athéna, c'est pas Athéna le slip, ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais, j'aurais préféré sauver Calvin Klein, mais bon, on peut pas. Trop cher. Ouais. Donc c'est là qu'on voit aussi la traduction d'Altered Beast en fait. Hein, nous on a eu droit au le mutant quoi. Voilà, c'est voilà. La traduction c'est littérale, c'est le mutant. C'est quand même magnifique. Après tant d'années, moi je le découvre. Hein, franchement, c'est toujours un plaisir de lire les notices Mega Drive. Ah, en les fait, notices, c'est clair. Du recul comme ça. Mais attends, mais quand t'es gamin, t'es comme un ouf. Hein, tu lis ça, ah bah mais ouais. T'es à fond dedans quoi. Ah bah du coup tu l'imagines à fond. Et puis après. Quoi, mutant, gonzesse à sauver, éclate. Bah c'est clair. Ah, ouais. C'est clair. Donc c'est le mutant, c'était une chaîne de grande surface, hein. Enfin de grande surface, de oui. Supermarché miteux, il y a quelques années. Oui. Ah ouais, le mutant. Ouais. Je sais pas s'il y a un lien, peut-être. Putain, le mec mais... a créé, il était fan d'Alter Beast. Ces gars, il a grande distribution. C'est ça, hein. Il n'y a pas d'autre explication. Donc en arcade, c'est sorti sur System 16, sur le système phare de Sega. Et ensuite, ça a été un jeu Mega Drive, donc qui est sorti notamment en bundle, donc avec la première Mega Drive. Régis, tu aurais peut-être une anecdote par rapport à ça. Par rapport au bundle. Ouais. Alors en fait, le jeu donc au début des fin des années 80, il est sorti donc sur Genesis aux États-Unis en bundle avec Altered Beast. En Europe, évidemment, on avait tendance à suivre les mêmes directives en fait que Sega of America. Donc du coup, on s'est tapé nous aussi le fameux bundle avec Altered Beast. Et le Japon n'a jamais eu ce bundle. Donc le créateur Makoto Uchida, en fait, un jour, donc il vit au Japon et puis il allait de temps en temps en voyage aux États-Unis.
il est aux États-Unis et puis il apprend par le pur des hasards en fait qu'il existe un bundle Altered Beast. Mais il avait absolument pas le temps en fait de se rendre dans la boutique parce que son avion décollait dans 1 heure ou quelque chose comme ça. Donc en fait, il est rentré au Japon et dès qu'il a eu un autre voyage aux États-Unis, le premier truc qu'il a fait, c'est se rendre dans une boutique pour récupérer un de ses fameux bundles. Mais entre-temps, Sega of America avait changé de tête et c'était Michael Katz qui avait laissé sa place à un certain Tom Kalinske. Et le bundle, en fait, quand il est rentré dans la boutique, il n'y avait que des bundles en fait, Sonic. Donc la loose, quoi. La loose complète. Donc en fait, il n'a jamais pu toucher au bundle à cette époque. Il a réussi à en récupérer un plus tard. D'accord. En étant employé de CIA. Ouais, en étant le développeur du jeu, quoi. Enfin, l'un des principaux développeurs, quoi. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. C'est le créateur même du jeu. Hein. C'est carrément le créateur. Donc c'est assez rigolo, quoi. Mais j'imagine sa tête quand il est rentré dans la boutique avec le mur de bundle Sonic, tu sais. Ça devait être bien amusant. Alors on va écarter aussi de suite, hein, tant qu'on y est, puisqu'on parlait des différentes versions juste avant, donc on va écarter de suite les versions de la honte, puisque notre ami Révérend nous disait qu'il avait joué sur... vu ou joué, je sais plus, sur Amstrad, sur CPC. Les versions micro, donc c'était... les versions de la honte, hein, bien souvent, comme toute la plupart des adaptations de jeux Sega, malheureusement. On se souvient des Space Harrier aussi, de Thunderblade, qui n'était pas terrible, terrible. Mais celui-là, tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'il était fidèle à l'arcade ? Pixel pour pixel. Ouais, c'est du pixel. Voilà, absolument pas. Donc déjà, c'est Activision qui avait fait le portage, parce qu'à l'époque, Sega touchait pas au CPC, on ne sait pas pourquoi. Et c'est un jeu, il est immonde. Si vous vous souvenez du scrolling assez lent sur arcade ou sur Mega Drive, là c'est la même chose, en plus lent et saccadé. Oh pauvre, d'accord. Avec des collisions mais illisibles. Enfin, ce jeu est horrible. Les images sont illisibles à nouveau. Hein. Les couleurs, c'est baveux, c'est marron, violet. C'est vraiment la version de la. Et oui. Et puis le jeu, en fait, mais comme beaucoup de jeux hein, adaptés sur micro, il le mettait en fenêtré un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était vraiment affreux de faire ça. Enfin, du coup, on jouait sur un petit morceau de l'écran et tout le reste, genre une grande bande, en fait, c'était pour indiquer la vie. Ouais, mais est-ce qu'on avait envie de voir ça en plein écran ? Je sais pas. Je suis pas sûr. C'était peut-être mieux comme ça, hein, finalement. Et non, est-ce que derrière la boîte, ils avaient mis des screenshots de la version arcade ? Parce que US Gold, ils étaient bien forts. Bien sûr. Ça. D'accord. Ah oui, oui. C'est magique. De toute façon, Amstrad, on avait pris l'habitude, donc quand on jouait sur Amstrad, on avait des beaux screenshots qui ne correspondaient pas du tout à la version qu'on allait acheter, donc c'était un petit peu la loterie. Mm-hmm. Et le Trade Beast, c'était, si on jouait à Motus, c'était la boule noire. Exact. Alors, pour en revenir donc sur Altered Beast, bon, sur les versions leader, on va dire, hein, version arcade et version Mega Drive, quelqu'un voudrait parler un peu du système de jeu, de comment ça se déroule ? Gothic peut-être ? Non ? Oui. Je t'ai pris au dépourvu. Non, c'est juste que oui, non, il va y en avoir à peu près pour 5 secondes. Donc en gros, on a un scrolling, on avance, on peut taper avec les poings, on peut taper avec les pieds, on ramasse des power-ups de temps en temps. Au bout d'un moment, on a une transformation en super. Au bout de 3 power-ups en fait. Ouais, hein, voilà, au bout de 3 power-ups, on a une transformation. Alors selon les niveaux, ça peut être un animal différent. On a notamment un magnifique tigre jaune fluo de toute beauté. Voilà. Ou un dragon vert qui fait l'électricité, qui fait dangereusement penser à Blanca. On commence avec le loup-garou, après on a le dragon. C'est ça. Après le troisième, c'est l'ours, non, de mémoire L'ours. Après on a le tigre. Le tigre. Et le dernier, c'est le loup-garou doré. Le loup-garou doré. Mais en fait, c'est tous des animaux garous. Ouais. C'est un. Oui, comme c'est décrit dans la notice. Hein, oui, bah oui. Mi-homme, mi-animal. C'est un ours-garou, un dragon-garou et un tigre-garou. Ah, et, déjà, et un kangourou, il n'y a pas un kangourou. Tout ça accompagné de Pierre Digit, hein, forcément. Ah oui, Ralph from the grave. Ça
c'est vrai que la version Mega Drive. Ah, mais ça dépotait quand même, hein. Franchement. Enfin, moi, je l'avais pas, clairement. j'avais joué chez un pote qui l'avait. Mais putain, mais le quand t'entendais ça, quoi, mais putain, c'était Le bluffant, futur. quoi. Ouais, c'était le futur. Bah, et c'est ce qui faisait aussi beaucoup du charme du jeu, hein. C'est ça. C'était les digits qu'on pouvait entendre aussi C'est ça. au fur et à mesure du jeu. Hein. Welcome to your dome. Ouais, Avant de les version battre les Mega Drive, boss. c'était pas trop ça, hein, quand même. Non, ça faisait pas ça, non. En version Mega Drive, ça faisait un truc un peu Et plus puis, criard. Rigolez pas, parce que moi, c'est ma première expérience Sega de toute ma vie. C'est le son de Altered Beast qui passe à travers l'enceinte de mon moniteur CPC, mais qui diffusait pas l'image. Donc, en fait, j'ai entendu Altered Beast avant de voir Altered Beast. D'accord. C'est pour ça que t'es sourd d'une oreille et que... Ouais, c'était super fort, en plus. On a tous sursauté, parce que c'était en famille, il fallait brancher en faisant super attention, parce que ça pouvait exploser. Les sons avaient vraiment en fait le don d'être vraiment mis au maximum quoi. Enfin, ils étaient super saturés. Et les C'est clair. Transformations, enfin les bruits de l'électricité. Ah oui, c'était horrible ça. Ah oui, ça te pêche le tympan quoi. C'est clair, hein, c'est clair. Et au niveau des niveaux, c'est comment? Bon, moi je sais que pendant très longtemps j'ai vu que le premier niveau. Parce que Oui, j'étais je pense qu'il y a gamin. beaucoup de monde. Hein. Voilà, comme j'avais joué surtout en arcade et très très peu chez le pote qui avait la Mega Drive. Mais c'est comment les niveaux? C'est assez différent, ça se ressemble, Ouais, il y a des environnements assez différents. Il y en a deux, je crois, qui se ressemblaient un petit peu dans des sortes de cavernes un peu bizarres. Il y a le deuxième qui est dans les cavernes déjà. Ouais, et Ouais. le Quatrième? je Quatrième, crois. je crois. Ouais, Je crois ouais. que c'est le quatrième après. Alors, le Ouais. Le cinquième est troisième. sympa avec un premier plan où tu vois des amoncellements de cadavres, de mémoire, Oui, quelque chose comme ça. y a des cadavres, un ciel Ouais. vert et des montagnes roses. Donc, Ah ouais, c'est la Gay Pride, quoi. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout qu'en fait, quand le jeu a été développé, quand on joue au jeu, les environnements, c'est vraiment pas ce qui fait le charme du jeu, quoi. C'est quand même assez terne, assez basique, pour pas dire autre chose. Et en fait, c'est parce que les développeurs se sont focalisés sur les personnages avant les environnements. D'accord. C'est pour ça qu'il y a eu un choix à faire en termes Bah, de c'est vrai que graphisme pour les ça se décors. tient parce que quand tu regardes au niveau des sprites à l'écran, Oui. c'est quand même assez imposant. Ben, ils sont On énormes. Ils est sont quand même énormes. sur un jeu du début de Mega Drive. Ah oui. On a Bon, des les boss. sprites qui sont quand même pas, enfin ils sont pas du tout ridicules par rapport à la version arcade quoi. J'ai pas le détail En taille, en exact. tout cas. Oui, oui. Oui. Mais j'ai pas la comparaison dans la tête là, mais ça doit être à peu près équivalent. Alors qu'habituellement, quand on avait des versions arcade qui étaient adaptées sur console, on avait quand même un downgrade très important, notamment au niveau des sprites à l'écran. Ouais. Bah, et puis surtout quand sorti de la Master System, enfin tu vois un jeu comme ça avec bon ton personnage qui grossit à l'écran. Je veux pas dire qu'il prend la moitié de l'écran, mais on pouvait presque le voir comme ça. Enfin, le sprite, tu deviens tellement gros que bah, moi je trouvais ça Et puis c'était l'animation de impressionnant. transformation, hein, mine de Ouais, rien. ah, complètement, Bah oui. complètement. Avec quand tu prenais le troisième power-up et que tu avais l'écran là avec vraiment la mutation du perso, c'était vraiment excellent quoi. Ouais. Ouais. Enfin, on parle de power-up, mais c'est des oh, ouais, oh, moi je Oui. garde Il pouvait dire Et si vous saviez à quel point ils en ont bavé pour ces digits. Bah, j'imagine, parce À que l'époque. franchement, à un À moment, l'époque, ils ont ouais. dû se dire bon, allez, on s'arrête là, les gars, parce que c'est pas Non, mais possible. l'épée, c'est mort, les gars. C'est tout. En fait, en fait, si vous voulez, ils ont pris les mêmes digits vocaux, en fait, digitalisation, donc vocale. Ils ont pris la même digitalisation vocale de la version arcade, mais en fait, ils ont été obligés de les adapter au format sonore de la Mega Drive. Beaucoup plus saturé, beaucoup moins précis, etc. Et c'est pour ça qu'on a un des sons un peu bizarres sur la console, quoi. Ah mais carrément, bah rien que la phrase du début, hein. Enfin, Ralph from Wave. Ouais. Mais ça me fait penser, enfin, moi qui suis un joueur ordi dans ces années début 90, ça me faisait penser aux jeux de l'Encore, là, les manoirs de Morteveil, Vielle Oui, voilà, et ouais. Mobility Island, quoi. Morte vieille. Morteveil.
Non, mais c'est vrai que ça me faisait un peu penser à ça, mais ouais, mais c'était bluffant, quoi. C'était à Ah l'époque, ouais. c'était voilà, ça envoyait du rêve, quoi. C'est C'était le futur. comme aujourd'hui, tu dis la VR, quoi. Voilà, c'est à l'époque, t'avais du son qui sortait comme ça de la Et console, ouais. mais En c'était plus, c'est bien, waouh. la comparaison est bien parce qu'il y a autant de couleurs. Blague à part, moi, le Altered Beast, par contre, m'a jamais fait rêver. Hein. C'est un truc. Enfin, Ah non, moi moi, non plus. Hein. Ah, j'avais ah oui, déjà, non, mais moi voilà, non plus. j'avais déjà la Mega Drive, j'avais eu Sonic Street of Rage. Et Ah j'ai découvert oui. Altered Beast après, en fait. Ah oui, non, mais c'est Ouais. sûr. Et pour un jeu du launch de la console. Attends, à l'époque, enfin, si, à l'époque, je vais dire, dans le même genre, il y avait Last Battle. Ouais. Exactement le même genre, hein, je vais dire, toi, un scrolling Oui. horizontal sur un plan, en beat'em up, mais c'était. Mais attends, Last Battle, c'était une purge à côté de ce jeu, et Un peu encore, bon, complet. c'est vrai que le gameplay n'est pas génial, génial non plus, hein, dans Altered Beast, mais à Oui, choisir, mais c'est vrai que. justement, est-ce que vous savez pourquoi le gameplay en fait est pas si génial que ça? C'est parce qu'en fait, Ils se sont comment centrés sur les personnages. c'est pas ça du tout, c'est pas ça qui était prévu. À la base, en fait, comment les quand ils ont développé le jeu, déjà le jeu, il avait l'idée du jeu bien avant en fait de commencer le développement, parce qu'en fait ils ont dû attendre 6 mois déjà avant de commencer le développement du jeu, parce qu'il n'y avait pas de personnel sous la main en fait. Et le jeu en fait devait, au niveau des combats en fait, les ennemis devaient avoir des points forts, des points faibles. Et donc l'artiste en charge de tout ce qui est design, mais également les animateurs, etc., ils ont travaillé sur des animations plus poussées, et les ennemis notamment avaient des différentes formes de défaites. Ils tombaient de différentes façons, etc., etc. Et Makoto Uchida trouvait que ça rendait le jeu trop complexe. Donc il a bazardé tout ça, alors que je sais pas combien de temps, sur combien d'heures et de jours ont bossé les mecs, sur le système de points forts, points faibles. Il a bazardé tout ça pour retrouver un truc plus simple, et c'est ce qui a donné, ouais, au Oui, final. d'accord, Mais les animations étaient mais 3 fois plus poussées, et malheureusement on n'en a jamais vu le jour, quoi. mais... Ouais, en fait, tout ce qui reste, c'est... en fait, enfin, il faut juste savoir quel ennemi taper avec le coup de pied, quel ennemi Ouais, taper avec le coup de poing, c'est tout ce qui reste. Ouais, puis après, voilà. ça reste du par cœur aussi, hein. C'est comme bien souvent les jeux de cette époque où... C'est du die and retry, hein. Ouais, Ouais. tu C'est du die apprends... beaucoup et retry un peu, quoi. Ouais, d'accord. Ah, et du coup, alors Régis, toi qui sais, alors par rapport au développement du jeu, Ouais. les équipes qui ont bossé dessus, pourquoi à un moment, je sais pas, ils ont dû prendre du LSD ou quelque chose pour se dire, tiens, mais là on va mettre une espèce de guêpe avec son dard en avant. Mais Ok, ça, alors. c'est toute la connotation. Oui, alors ça, il faut en parler quand Ou même. alors le dragon chinois, tu sais, Vous avant de voulez que je sortir du justement, sol. vous voulez Avant que de je vous sortir raconte du un peu sol, il y a son le. chibre qui gigote. Eh ben, c'est Chibre et Dragon. Chibre et dragon. Vous voulez que je vous raconte un peu. Mais si vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a des anecdotes assez croustillantes sur le développement. Donc, je sais pas si ça Oui, vous vas-y, vas-y. intéresse. Ah, bien sûr, Ah, bah oui, hein. on va Nous, savoir. on prend, hein. Donc, déjà, c'est peut-être en train de poser des questions sur la façon dont les coups sortent, etc., ou les effets spéciaux, ou les designs, etc. Déjà, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il faut imaginer un tout petit studio avec, je sais pas, 20, 30 personnes travaillant à l'intérieur. Et en gros, tout le monde bosse comme des malades. Ils se douchent environ une fois par semaine. Ils ne rentrent pas chez eux, ils dorment dans des lits de fortune. Donc, tu vois un peu le style. Ah ouais. Et en plus de ça, à l'époque, tout. Enfin, la plupart des programmeurs, c'est ce que Makoto Uchida m'a dit, ils fumaient. Donc t'imagines une ambiance enfumée à mort avec des gens qui puent dans tous les Ah oui, salle sens. d'arcade, quoi. C'est Et tous ces enfin, hommes qui transpirent dans la une. même pièce qui les ont Ouais, en. inspirés. Ouais, je pense, ouais. Je sais pas, mais en fait, une grande ambiance de mecs, en fait, en train de développer le jeu, L'équipe etc. d'hommes en slip. Ouais. Voilà, exact. Ouais, voilà. Mais je sais pas, enfin, ils sont partis sur des délires, Ah bah à oui, tous attends. les niveaux. Ah oui. Mais grosso modo, c'était quoi le pitch de départ? C'était en gros un bonhomme très musclé qui se bat contre une armée de monstres. Bon, là, c'était le premier truc. Et en fait, ils se sont dit, bon, bah, on va partir sur cette idée-là.
pour éviter en fait que le jeu soit trop complexe ou soit trop ressemblant à d'autres jeux, en fait, ils ont décidé de ne pas mettre d'armes. Et qu'est-ce qui caractérise au mieux les combats à main nue? C'est la mythologie grecque, avec notamment tu sais, tout ce qui est spartiate, les 12 travaux d'Hercule, etc., etc. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont partis sur le principe, enfin sur le monde de la Grèce antique, etc., quoi. Mais malgré ça, avoir un bonhomme en slip qui se bastonne à la... Parce que Makoto Uchida, il est fan de tout ce qui est un peu nanar à la... comme Stallone, Schwarzenegger, enfin vraiment les pas les nanars, mais les grands Série classiques, ouais, les B. grands classiques des années 80. Mais il s'est dit, oh ouais, mais bon, si je fais que des hommes en slip qui se bastonnent à main nue, ça va vite tourner en rond, quoi. Donc il s'est dit, pourquoi ne pas, par rapport à la mythologie grecque encore, pourquoi ne pas imaginer une transformation de monstre animal, quelque chose comme ça, quoi. Et ils sont partis là-dessus. Ils sont partis là-dessus. Et justement, une des anecdotes, puisque dans le jeu, il y a un moment, c'est quand on atteint la troisième transformation, je crois, il y a une espèce de transition. Et cette transition, en fait, elle vient du film The Howling. C'est un film qui s'appelle Hurlement en français. Ah Et oui. c'est un film de 1980 de Joe Dante ou Dante. Et donc, du coup, en fait, il regardait ce film-là sans arrêt. En fait, il prenait le film, il mettait en arrêt sur image pour en fait créer cette transition au mieux, quoi. Donc ça, c'est un des premiers détails. Et bon, autrement pour le coup du son, donc je l'ai raconté, hein, c'est vraiment qu'ils sont adaptés au chip sonore de la Mega Drive en partant des échantillons arcade. Et autrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, le loup a été inspiré du clip Thriller de Michael Jackson, entre autres. Ah ouais. Voilà. Et un autre truc aussi qu'il faut savoir, et c'est peut-être ce qui explique la petite faiblesse de la version Mega Drive, même si c'est quand même bluffant pour l'époque, c'est-à-dire qu'en fait le jeu, une fois terminé sur arcade, ils ont directement enchaîné sur la version Mega Drive parce que la console venait ou allait sortir, je sais plus Bah, exactement. elle venait de sortir en 88 au Ouais. Japon, Donc elle venait de sortir, c'est ça qui m'a expliqué, elle venait de sortir. Donc Sega leur a dit, bon bah maintenant vous faites le portage. Et en fait, le portage a été tellement difficile, donc c'est pour ça quand on voit le résultat, c'est assez bluffant, mais ça a été tellement balèze qu'ils ont appelé ça le marathon de la mort. Ah ouais. Voilà, pour vous donner un ordre Mais d'idée. du coup, à la fin, dans les crédits, ils n'ont pas voulu mettre leur nom parce qu'il n'y a que des pseudos. Non, 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 ça n'a rien à voir, c'est parce qu'à l'époque, C'était quand pour vous pas se prenez les faire jeux, voilà, quand vous embaucher par prenez les les jeux, autres. ouais, soit Ah embauché ouais. par les autres équipes. Soit pour eux-mêmes préserver une identité, en fait. Des fois, en fait, le jeu vidéo, même s'il était beaucoup plus développé qu'en Occident, il n'avait pas toujours bonne presse quand même. Et du coup, les mecs voulaient pas trop se montrer au niveau de leur famille, au niveau de leur de tout ça, quoi. Donc, Ah d'accord, c'est pour ça les c'est un peu des deux. Mais un peu grosso de modo, mal. c'est surtout pour pas se faire embaucher ailleurs, ouais. Ah Voilà. d'accord, parce que dans les crédits de fin, c'est vrai que tu vois aucun nom, enfin que des pseudos. Non, parce que si tu prends même Nintendo, à l'époque, tu voyais des jeux, ça se terminait des pseudos Tenten ou je sais pas quoi. C'était Tezuka Miyamoto, en fait, mais qui se cachait derrière des pseudos, quoi. Donc, Ouais, ça se faisait pas mal à l'époque. voilà, mais bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour, mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait, ça a été un développement très très compliqué, et franchement, ce qu'ils ont atteint, c'est assez bluffant, ouais. Oui, parce que la version Mega Drive, c'est celle qui se rapproche le plus de la version arcade. Si Ouais. on compare avec toutes les autres versions qu'il y a eu, c'est celle qui en est la plus proche, hein, donc. Ouais, c'est ça. Ah si, j'ai un autre petit truc également qui m'a raconté, qui m'a fait assez rire. C'est vraiment de l'ordre du détail. Mais je crois que c'est sur arcade. C'est quand on prend un item, il n'explose pas en petits morceaux, je sais pas trop quoi. Je sais plus trop. Je crois que c'est sur la version arcade. À un moment, il y a des petits morceaux en fait qui volent, qui grossissent à vue d'œil en fait quand ils pètent et que ça se rapproche de l'écran. C'était pour donner un aspect 3D en fait Ah, au quand il jeu. y a des C'est monstres qui quand les explosent, ennemis. je Non, pense. c'est les. Oui, c'est les zombies quand tu Ah bah les c'est oui, bah c'est peut-être tues. des Oui, zombies. il y a des Voilà. œufs qui volent vers. Ouais, un peu Ouais, voilà. Enfin, à la c'est, ça, ça, Tortue pète, Ninja. Un peu à la ça Tortue pète Ninja vers de l'écran. l'ennemi. Mais je crois pas qu'il y a ça sur Mega Drive, si? Non, Peut-être, sur hein. Mega Drive, non, ils Non. explosent Donc voilà. Donc sobrement. Non, non, c'est ils explosent. sur arcade, et sur arcade, c'était pour donner une impression de 3D en fait. Voilà. Donc c'est vraiment de l'ordre du détail, hein, mais bon. Ouais.
Et au niveau donc de comment dire de la jouabilité, on en a parlé vite fait tout à l'heure, mais au niveau de la difficulté du jeu, qu'est-ce que vous en pensiez, Gothic? Je sais que j'y ai rejoué là récemment, que j'y ai rejoué sur la Mega Drive et que j'y ai rejoué sur Steam. Et en fait, sur Mega Drive, c'est pas compliqué. J'ai fait quelques parties et puis au bout d'un moment, je suis allé chercher le cheat code pour le level select parce que j'en avais marre de Ah bah crever. oui, hein, obligé. Et voilà. Donc, C'est vrai qu'il est punitif hein, quand même. ah, Ouais, il est il est extrêmement horrible. punitif. Il est super dur. Ouais. Ah, puis même c'est y a tous les comment dire c'est y a tous les défauts hein, des jeux de l'époque hein, c'est-à-dire tu peux tabasser la touche tant que tu veux, les coups ils viennent pas Ouais. Il y a Il y a une pas y a certaine un niveau latence par sans c'est moment. lag Ouais, mais bon. ouais. Et sans compter que les manettes, enfin moi je joue en plus avec la manette originale Mega Drive et ma manette elle a vécu forcément et ça aide pas en fait. C'est vrai que c'est pas pour me chercher des excuses hein, je l'aurais Non, non, probablement mais oui, pas quand tu essaies finalement. de faire Et ouais le saut le un plus sur deux haut ça pour passe pas éviter les trous. Ouais, voilà, et puis il y a les patterns pour décomposer un coup. En fait, faut bientôt comprendre à l'avance enfin, quand ton coup va sortir. Enfin, les Ouais, mais patterns sont justement. assez longs. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez. Faut s'habituer à ça. Enfin, c'est le genre de jeu, en fait, où ça se fait plus, Mais quoi. ça vient clairement en fait du changement de gameplay à la dernière minute. Hein. Moi, je vois que ça parce que si, enfin, vous imaginez, on passe de je sais pas de 100% d'animation à 30% d'animation et derrière, on se retrouve avec un gameplay hyper simple. Mais je pense que ça a forcément joué sur la maniabilité du jeu, quoi. C'est évident. Mais en même temps, je pense que tu vois, dès que. Alors, bon, une fois qu'on est quand même habitué au jeu, hein, parce que c'est pas en faisant deux parties qu'on arrive à la fin, ça c'est sûr. Mais Ah non. quand on a compris hein, un peu le système, quand on sait qu'il faut prendre le plus vite possible les power-up, hein, le power-up du loup bleu, Oui. et qu'on devient plus fort, les coups portent mieux, et jusqu'à devenir l'animal. Hein, Ben, ce qu'il y a aussi, c'est que si tant que tu n'as pas pris le troisième power-up, en fait, oui, avant la tu continues transformation, tu d'avancer. continues d'avancer et tu as le niveau Ouais. qui se répète jusqu'à ce que tu aies vraiment pris les trois power-up, quoi. Ouais, c'est ça, puis il y a une certaine inertie, hein. De toute façon, même dans le déplacement du personnage. Ouais. Ah. Le nombre de fois où tu pètes un câble parce Ah que. oui, non, mais par contre, ouais, le truc affreux, c'est les collisions. Enfin, Ouais. il y a le truc des collisions, c'est quand tu peux pas collisionner un ennemi. Enfin, tu fais un saut en arrière. Quand tu tapes un ennemi, tu fais un saut en arrière. Du coup, à un moment, tu es tellement entouré d'ennemis, tu fais que des Ouais, des sauts fois en tu c'est arrière, ça, t'es tu coincé, et rebondis, puis ouais. tu jusqu'à que tu perds tes points de vie, et puis ça, c'est le Ouais. truc Ouais, affreux. puis, je pense qu'il y a un autre truc aussi qui a dû jouer, mine de rien, c'est que les personnages ils sont très imposants. Oui? Et à mon avis, ils ont voulu sans doute jouer sur la lourdeur du perso. Et Ouais, du coup, des fois, c'est ça possible. plombe le gameplay en fait. Mais Parce que. c'est pour ça que je me dis enfin, il faut se transformer le plus vite possible pour Voilà. que ça devienne tout d'un coup, je sais pas. Oui, parce que Non, si tu. ils ont des slips en plomb en fait, ou je sais Ouais, pas. si. Parce que si tu chopes la transformation au premier, premier avant le premier passage du boss, finalement tu réduis ton jeu d'un tiers à chaque fois. Hein. Ouais, C'est ça. d'accord. Ouais, parce qu'il tourne en boucle. Hein. Tant qu'on n'arrive pas à se transformer en animal, on peut pas affronter le Ouais, c'est boss. ça. Donc, Bah ouais, moi Sauf je me demandais la pourquoi dernière mes fois où parties là elles tu duraient 10 l'affrontes en heures. slip. Oui, voilà. Tant que t'as ton slip, le boss il veut pas te voir. Il veut pas te voir en bête. Et quand t'es poilu, là c'est bon. Mais en même temps, alors du coup j'ai regardé, alors bon c'est le scoring, il influe aussi par rapport à ce rythme de jeu. Si tu arrives à détruire un boss sur le premier run, enfin hein, si tu arrives à te transformer en monstre le plus vite possible et que tu tues le boss, tu as le maximum de points. Et du coup tu continues le jeu comme ça. Mais si tu n'y arrives pas sur le premier coup, sur le deuxième coup, sur le troisième coup, tu auras de moins en moins de points en fait. Voilà, bon après je sais pas si les gens se sont attardés à ça et à Ouais, ça. il y a dû en avoir, hein, qui ont dû Et faire du scoring. ouais, non mais c'est quand même quelque chose que j'ai découvert juste tout là récemment. Hein, Et du coup, si tu arrives au boss au troisième coup sans t'être transformé, c'est même pas la peine d'essayer. Oui, non mais de toute façon, ouais, C'est voilà, t'as même pas à pas choper un possible. seul power-up sur le premier, comment dire, sur le premier run. Mais tu seras assailli de bête, tu en sortiras pas, bon, t'es quasiment mort. Tu peux recommencer la partie. Bah t'es en slip, hein. Ah bah voilà, t'es à poil. Ouais, mais je pense que c'est représentatif d'une époque aussi, parce qu'en fait,
Les développeurs étaient tellement balèzes à force de développer le jeu, à force de répéter les mêmes actions, etc. Ils devenaient tellement presque surhommes en fait sur leur jeu que du coup ils n'arrivaient pas à doser la difficulté parce qu'il n'y avait pas de playtest comme aujourd'hui ou plus tard dans les années 90 en fait. Donc, Ah bah, de toute façon, après pour ceux qui n'ont pas. Enfin, alors Gauthier qui parlait du menu caché là pour trouver, pour sélectionner son niveau. Enfin, menu ouais. caché, mais apparemment on peut le trouver assez facilement. Enfin, oui, il y a même le continu, enfin le code pour le continu est carrément dans la notice. Oui, mais voilà. Ah oui, d'accord, ok. Et ben, en fait, on commence au niveau normal, il n'y a même pas de niveau easy, et donc on peut choisir hard ou hardest. Alors j'imagine que. Enfin, j'ai pas essayé, parce que déjà au niveau normal, je trouve ça assez. Je me rappelais plus de ça, d'ailleurs j'ai vu ça tout à l'heure en lançant le jeu et je me suis demandé si le jeu me prenait pas pour un con quoi. Parce que j'arrêtais pas de paumer et c'est quoi ce délire. Ah bah ouais, non, mais en plus, j'arrive dans le menu, je vois normal, je dis ah c'est cool, je vais mettre easy, hardest. Ouais voilà, et puis t'as le nombre de carrés de vie minimum et le nombre de vie minimum donc ouais, en fait mais... il faut commencer avec le minimum. Ouais, mais je suis en train de penser à un truc qu'il m'a raconté. Makoto Uchida m'a expliqué aussi que dès le départ, ils avaient l'intention de faire un jeu qui était quand même assez avec pas mal de challenges et surtout assez court, notamment bah, par rapport à forcément la version arcade, etc. Quoi. Et donc, il fallait mais que les gens, du coup, ils ont dû se dire bon bah écoute, c'est simple, on va mettre normal, hard, hardest, pas de mode easy. Parce que sinon ils vont terminer le jeu trop rapidement, etc. Donc ah oui, parce qu'en un quart d'heure, voilà c'est quoi. Plié. Ah oui c'est donc... vrai. Que... J'ai vu là en un quart d'heure, exactement. En préparant le, il y a un record à 5 minutes et quelques. Mm. Bon avec c'est du TAS, hein, le tool assisted là, je sais pas quoi. Ouais. Mais le mec c'est un truc de fou, hein. Un peu plus de 5 minutes quoi, c'est. Hallucinant. Ouais, il utilise des outils spéciaux ouais, pour. Ouais, mais je pense, mais de toute façon, mais même déjà, comme a dit Révérend, en un quart d'heure, le jeu, normalement, oui, tu l'as fini si t'es assez doué au jeu. Enfin, en un quart d'heure, si tu t'es l'as fort. Fini. Hein. Si t'es fort, ouais. Mais après, quand tu. Ouais. Quand tu apparemment, une fois que t'as assez bien observé les patterns. Déjà, les boss, ils sont assez faciles. Oui, enfin, les boss, ils sont assez faciles. Le plus difficile, c'est les vagues d'ennemis dans le jeu. Oui, quoi. C'est d'arriver aux boss. Oui, c'est ça. C'est vrai que les boss sont parce que les boss sont pas durs. Hein, une fois qu'on a trouvé. Voilà, puis on non, est censé. Les vagues d'ennemis et puis lutter contre l'input lag en fait, hein, qui est surtout et bah, ça. Voilà. C'est surtout ça qui est difficile. C'est ça. Ouais, puis je pense aussi que c'est tellement rigide pour notre époque en fait que quand tu retournes dessus, tu te dis mais oh mon Dieu, mais c'est presque horrible quoi. Ton bonhomme il pèse 3 tonnes. C'est une autre époque quoi. Ouais, l'impression de jouer à Resident Evil 5 en 2D quoi. Alors on arrive tout doucement vers la fin du pod. Si je vous demandais, est-ce que vous conseilleriez ce jeu aujourd'hui aux jeunes générations qui veulent découvrir le rétro gaming? Est-ce qu'Altered Beast ferait partie de ces jeux-là, Révérend? Alors moi oui. Pour ah, que t'es un maso toi. non mais c'est pour qu'ils se rendent compte un peu. D'accord. Non, parce que bon, moi je trouve que ça fait partie de l'histoire de la Mega Drive par exemple. Parce que si on parle d'Altered Beast, qu'on va jusqu'à Comic Zone par exemple, sur la durée de vie de la console, on voit d'où on est parti, jusqu'où on est arrivé. Et puis je sais pas, il y a une. Bon, moi c'est un jeu auquel j'ai joué régulièrement depuis que je l'ai eu en fait. J'y joue assez souvent. Je sais pas pourquoi, mais. Peut-être la nostalgie ou les amants slip, peut-être. Voilà, c'est possible. Hein. Ou la nostalgie des amants slip. J'ai la nostalgie des amants slip, c'est vrai que ça se voit beaucoup moins. Slip Athena. Je sais pas, moi, l'univers complètement foutraque, la mythologie avec des monstres qui ressemblent à rien. Mais c'est clair, cet univers, il est. Enfin, moi, il m'a charmé, quoi, cet univers. Attends, mais et à un moment, à la fin, t'as des licornes violettes. Hein. Ah oui, la licorne oui, violette. Alors, les licornes hippopotame ninja. Ah ouais, alors ça, il faut en parler. Sans déconner. Sans déconner. Je suis arrivé là, j'ai dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et les bouquetins boxeurs aussi. Non, mais sérieux. Attends, le dernier boss, le rhinocéros rose. Le rhinocéros rose. Oui. Ah oui, non mais. Exactement. Attention. Qu'on voit dans, qui fait une brève apparition dans Le Monde de Ralph aussi, hein. Ah ouais. Non, mais voit. Là, faut être vraiment connaisseur, hein, pour se dire, parce que là, je l'ai. Bah, je mettrai la photo. Mais ces boss, tous les boss bizarres, moi, comme ça, moi, ça me fait vraiment penser à Alien Storm après, justement. Ouais.
Ouais, parce que alors à un moment, il y a une espèce de. Alors, hey, dans la notice Mega Drive, c'est écrit qu'il s'appelle l'escargot moisi. Ouais. Alors, je consulte ma notice, mais il me semble bien que c'est ça. Il s'appelle l'escargot moisi. Et c'est vrai que c'est confié à Alien Storm. Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est Alien Storm. Et ouais, c'est Alien Storm. Ben, le no... C'est ça, c'est la sorte de coquille d'escargot avec une sorte de tête de dragon bizarre. Ouais, hein. Ouais. Ouais, bah, c'est ouais, ça. oui, c'est ça, ouais. Et aussi dans le deuxième niveau, on a des monstres qui ressemblent aux bêtes qu'on peut monter là dans Golden Axe. Oui, oui, oui. Je sais plus comment ils s'appellent ça. J'en vois plusieurs. Tiens, avec sa queue. Oui, c'est ça. Ouais. Il s'appelle, je vais vous dire ça immédiatement. Oh là. Le Chicken pas. Stinger. Ouf. Avec leur queue coupante empoisonnée, ces monstres sont difficiles à atteindre. Putain, ça c'est de la. Et ça, non, la bête arrive à te faucher. En fait, bah, c'est la bestiole de Golden Axe en plus. Et ils sont super chiants. Hein. Ouais, c'est et ça. Si elle arrive à te faucher, mais bah, alors, c'est dans le pattern, le temps que tu te relèves, alors lui il te refauche et bon, là t'es mort en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est un truc affreux quoi. Régis, toi, ton avis, tu conseillerais ou pas? Alors, déjà, je suis en train de rigoler tout seul parce que je me suis dit, mais pourquoi ils mettent des personnages aussi barrés dans Altered Beast? Et puis, je me suis souvenu en fait de certains jeux Sega où il y avait des ennemis aussi barrés comme ça, notamment dans Alex Kidd in No Star. T'as carrément un petit bonhomme qui monte son cul quand tu quand tu évolues c'est dans le deuxième monde, je crois. Donc, c'est. Sega, je pense que devait fumer du LSD ou je sais pas quoi, des fois les développeurs, je sais pas ce qu'ils prenaient, mais du coup il y avait des ennemis complètement barrés, donc voilà, c'est juste pour dire ça. Le proposer à des gamins aujourd'hui, non, je pense pas. Sincèrement, je bah pense si, que. En punition, en plus. Oui, voilà, et bah, fini Altered c'est Beast. Exactement ce que j'allais dire. Si mon gamin fait une connerie plus tard, je le fous en punition devant ce truc-là. Je pense vraiment que... Non, non, mais enfin, pour être sérieux. Et sur CPC. Il est. Oh, putain. Ouais, bah, là, je pense pas, mais. Non, non, mais sincèrement. Même moi aujourd'hui, enfin à l'époque j'ai pas du tout été attiré par ce jeu-là, mais j'ai quand même voulu savoir voilà pourquoi c'était devenu un mythe et c'est pour ça que j'ai essayé de contacter son créateur. Mais vous savez que même lui estime que c'est pas un bon jeu en fait, hein. C'est pour ça qu'il voulait le bundle à tout prix. Putain, j'y crois pas. Il y a un bundle avec Il y a un mon bundle jeu. Avec ma merde. Makoto Uchida m'a clairement expliqué que c'est un jeu qui est devenu voilà populaire, etc. Parce que c'était en bundle aux États-Unis, etc. Que il y avait pour le Japon, il y avait un univers vraiment particulier et que c'est pour ça qu'il y a eu quelques ventes intéressantes, etc. Mais sur le plan du gameplay pur. Il m'a vraiment dit, c'est quand même pas terrible, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que partant de ce constat d'un jeu qui est moyen, etc., ils ont vraiment tout fait pour créer un jeu qui est largement meilleur et qui deviendra Golden Axe plus tard. Mais autrement, conseiller Altered Beast aujourd'hui, non. Non, non. À moins de vouloir voir des âmes en slip pixelisé. Bon, t'as choisi Niki pour ça. Ouais, si tu veux, mais non, 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 je pense que on fera une liste des jeux où les hommes sont en slip. Il y en a, ouais. Mais je sais pas, ça devait être un truc chez Seiya parce que je vous dis, la skin là, tu t'avances, c'était un petit bonhomme qui monte son cul et tu dois le buter, ou alors des ours avec des trompettes qui sont en train de. Enfin, bref, ils ont des. Il y a des ennemis sur les jeux Sega, des fois c'est... Sachant qu'Alexis voilà, tape avec le poing, moi je veux... Enfin, c'est bizarre. Alex Fist. Bon, allez, bref. Ouais, C'était ça le côté mature de Sega, en fait. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, complètement barré, complètement libre. Moi je dirais complètement libre, en fait, surtout. Ils avaient une totale liberté. Non, ça c'est vrai, au niveau artistique. Enfin voilà, ils avaient une totale liberté tout simplement, et puis ils se faisaient plaisir, et puis voilà quoi. Puis enfin, quand on imagine une ambiance de mec avec hyper enfumé, je sais même pas si à la fin on garde du sérieux dans des ambiances pareilles quoi. Ça devait se vanner à longueur de journée, enfin bref, je sais pas. Donc voilà. Bon, on arrive au bout du podcast, hein, donc je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Oui, Oui. On n'a pas parlé des autres versions.
à la base, Altered Beast 2 était prévu. D'accord. Mais à l'époque, il y a eu Sonic, il y a eu Golden Axe, et il y a eu des jeux comme ça qui étaient largement supérieurs, et la série a disparu complètement. Quand la PS2 est sortie, il y a Makoto Uchida qui a voulu créer une suite. Il a bossé des heures, des jours entiers pour organiser quelque chose, enfin vraiment présenter quelque chose qui était propre, qui était bien, etc. C'est pas sorti, malheureusement, alors qu'il y avait vraiment, d'après ce qu'il m'a expliqué, il y avait vraiment des trucs super intéressants de prévu avec ce jeu-là, qu'on n'aura jamais vu, même en photo ou n'importe quoi. Ils ont sorti ensuite une bouse monstrueuse, je crois que c'est en 2004 ou quelque chose comme ça, il me semble. Et il y a également un jeu GBA, je crois. Ouais, GBA, ouais. And the Guardians of the Rims ou quelque chose comme ça. Bon, sincèrement, je crois que je n'y ai jamais touché, ou peut-être rapidement, mais ça ne m'a pas laissé forcément un souvenir impérissable. Mmh. Ben écoutez, si on devait juste terminer sur une note, que vous conseilleriez plutôt de tester alors sur quelle version Gothic. Ah bah, la version Mega Drive. Version Mega Drive. Oui. Moi j'aurais dit arcade, mais. Bon, j'aurais dit les deux, moi, en fait. Oui, éventuellement les deux, elles sont assez complémentaires, je pense. Elles sont assez différentes et c'est assez intéressant. Après, je vais juste rebondir sur une petite chose, c'est par rapport au fait de recommander le jeu ou pas. Moi, je le recommanderais pas, je le recommandais déjà pas à l'époque, donc y a vraiment aucune raison que je le fasse aujourd'hui. C'est pas un jeu que je porte vraiment dans mon cœur. Je comprends ce qui a fait le succès du jeu, je comprends l'aura qu'il a acquis avec le temps, je comprends ce qu'il représente, mais en fait c'est un jeu effectivement comme Régis, un petit peu qui m'a jamais vraiment parlé. Donc voilà, et si je devais montrer à des jeunes un petit peu le parcours Mega Drive, etc., effectivement je penserais peut-être à d'autres jeux avant de penser à celui-là, quoi. D'accord. Ouais, bah c'est un truc que je viens de dire sur l'interview que j'avais préparé. Mais Makoto Uchida, quand il a créé le jeu, en fait, il a créé un univers surréaliste, complètement barré, etc. Okay. Donc c'est soit on rentrait dedans, soit on rentrait pas du tout dedans. Moi, je suis pas du tout rentré dedans comme Gothic, c'est exactement la même façon. Et pour vous dire, les hautes instances de Sega, quand il a présenté son ébauche de nouveau jeu PS2, lui ont sorti « Mais c'est quoi votre jeu de cirque là ? Mais on va pas vendre un truc pareil, c'est pas la peine, là, vous êtes malade !» Donc voilà. Donc on rentrait dedans ou on rentrait pas dedans, quoi, tout simplement. Les cons, ils avaient oublié de distribuer la coke. Ouais, c'était ça. C'était ça. Mais de toute façon, il suffit de voir les boss, l'espèce de plante avec tous ses yeux, là, tout... Enfin, c'est n'importe quoi. Le monstre aux plantes, là. Ouais, les monstres aux plantes, ouais c'est ça. Un tas d'ordures, un monstre aux plantes, une coquille. Ouais, c'est... Ouais. Il y a un croco-volant aussi, hein, quand même. Ah oui, oui. Oui, le vert crocodile. Ouais, le vert crocodile. Ouais, et puis même, enfin, le dragon quand il vole, quoi, il y a... Oh là là, c'est, ah non, c'est quasi injouable, quoi, ça, c'est... Attention. Moi, je mettais le bouton turbo pour qu'il tire des éclairs tout le temps, c'était insupportable au niveau du son. Le son, malheur. Ah oui, oui, le son. Ouais. Mmh. Ah ouais. Mais par contre, il paraît que, là, je suis en train de regarder, il paraît que la version GBA est pas mal, alors ça m'intrigue. Mmh. Faudrait que je regarde. Moi, j'irai pas tester, hein, mais bon. Moi, si je devais conseiller, ça serait la version 3DS classique qui est sortie. Donc, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Donc, qui est juste la version Mega Drive en fait, hein, mais bon, portable. Donc, dans la 3DS, c'est plutôt pas mal. Et puis le petit ajout de la 3D dessus, ça rend pas mal. T'as toutes les options du coup aussi. Toutes les options, c'est-à-dire. Souvent sur les jeux Sega classiques sur 3DS, t'as des tonnes d'options. Ouais, t'as quelques options. C'est l'un des premiers qui est sorti, celui-là. Donc, d'accord, ok. Tu peux choisir la taille du slip. Non. La couleur slip, la couleur de l'élastique. La marque Athéna. T'as juste la version internationale. Tu finis le jeu, tu débloques le string. Oh yes. C'est un autre jeu. Pour ça, faut connaître les ficelles. Il finit à poil, le mec, en fait. Non, voilà, il y a juste le co-op en deux, sur deux 3DS, donc et sinon, voilà, juste des options classiques, on va dire, hein, la ROM japonaise ou la ROM internationale, et puis voilà, quoi. Mais par contre, la version Master System était pas trop mal, si ? Ça, j'ai jamais testé. Il y a un niveau en moins, je crois. Ouais, il y a un niveau en moins. Mais je crois que, enfin, c'était pas forcément Pour de la Master System, visuellement, c'était pas dégueulasse. Non, c'était avec des beaux sprites.
Ouais, et les digits encore pire, les digits vocaux. Alors là, quelqu'un veut peut-être imiter, mais là c'est encore pire. Les tympans qui explosent. Ouais, mais la jouabilité est bizarre à cause des deux boutons du coup. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un bouton poing, un bouton pied, et il faut appuyer sur les deux pour sauter ou un truc comme ça. Ouais, mais, pour, ouais, en même temps. Ouais, mais pour y avoir touché, je crois que la difficulté a été un peu abaissée. Il me semble. Je crois que j'y avais touché. Ouais, je crois que j'avais joué un petit peu. Donc voilà. Bon, mais messieurs, je pense que là-dessus, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'écouter un petit morceau d'OST en partant. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Carrément. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde. From your grave. Qui avait le slip bleu, qui avait le slip rose, quoi. J'ai entendu des glaçons ou pas? Eh ouais. Hey, attention, il a l'oreille là-dessus. Qui c'est qui se met ouais, bien? Ouais, j'ai entendu aussi. Non, je peux même te dire, la boisson, c'est... la cuvée. Ouais. C'est révérent, ça. Ah, et d'accord. Et ouais, Altered Beast, il traduit ça par le mutant. Le mutant. Le mutant. Oh la vache. Le mutant.